nous avons gagné une nouvelle traduction qui était sortie le 1er septembre. La traduction, ça a été sortie en deux versions. Elle était sortie en version acoustique, donc c'est sorti avec piano uniquement. Et nous avons sorti aussi en version reggae. Donc, moi, j'ai toujours voulu gagner appréciation, nous, sous deux versions, ça, version piano et version reggae. Qui version dans deux versions ça ou non plus remet d'appeler gain feedback non sur ça. Donc est-ce que nous t'as toujours souhaité joindre deux versions de musique yo chaque fois yo sorti. Donc moi t'as voulu gagner point de vue pas non, gagner feedback pas non pour que nous capables connaître dans quelle mesure pour nous avancer avec travail là. Donc ça est extrêmement important. Moi t'as vraiment gagné point de vue pas non sur ça. Est-ce que nous avons toujours voulu nous sortir musique en deux versions, une version full instrument et une version acoustique. Qui version dans deux versions que nous sortis 1er septembre là, on peut remettre? Est-ce qu'on remet version full instrument plus? Est-ce que on remet version piano plus? Donc, si c'est full instrument, on remet plus pour qui ça on plus remet. Si c'est ça à piano, on plus remet pour qui ça ou plus remet. Ça, c'est premier pareil que nous t'avons dit dans la vidéo ça. Deuxième bagay que moi te vle di nan videyo a, donc c'est un cours que nous décidé offrir avec des monde qui t'a vle soit apprendre solfège. Donc nous capable remarquer qu'il y a une carence maestro. Donc en pile fois moun yo nous capable arriver joindre des musiciens, de monde qui jouait musique, qui jouait instrument, mais joindre de monde qui capable gain capacité pour enseigner un choral. Donc, ça, il m'a dit, faut qu'on fasse une étude spéciale, faut qu'on étudie solfège. Donc, nous avons décidé d'offrir un cours de solfège avec des gens qui sont intéressés avec ça. Et nous avons décidé aussi d'offrir un cours de piano avec des gens qui voulaient apprendre. Donc, c'est deux cours, un cours de solfège et un cours de piano. Donc, si vous voulez cours de solfège là, ou t'as les cours de piano, c'est à vous-même le choix. Si vous t'avez prendre tous les deux cours yo ensemble tout, donc c'est à vous-même le choix. Mais ça me devait dire qui est intéressant, c'est que ou pas besoin en Haïti, ou pas besoin côté que nous y a, si ou gain le désir pour suivre cours ça yo, même si ou à distance, ou capable suivre cours ça yo, même si ou à distance, ou capable entrer en contact avec nous et puis au moyen de la technologie, on est capable d'arriver à offrir au cours sans aucun problème. Et quel que soit côté où il est tout sous territoire national là en Haïti, donc dans l'Ouest, que dans l'Artibonite, que dans le Nord, quel que soit côté où il est, depuis qu'on gagne la bonne volonté pour que ou apprendre, donc nous croyons que on est capable de mettre nous au service de nous-mêmes. Donc nous croyons que surtout en Haïti, en pile musicien et au finalé, en pile maestro yo finale, li très difficile qu'on y a pour joindre yo maestro, pour enseigner choral yo, li très difficile pour joindre de musiciens, gen l'église qu'on y a qui pa gen musicien du tout. Donc c'est nan souci ça, nan optique ça, nous même, nan mesure que bon Dieu permette, nous voulons porter contribution par nous pour permettre que travail bon Dieu ya li capable continuer à avancer. Donc nan prete tan nou, donc numéro qui sous écran ou capable contacter nous sous li. Et puis, nous sommes contents pour nous faire parler ensemble avec vous. Et nous sommes contents pour nous servir pour permettre que l'Église bon Dieu a continué, grandi, continué, avancé. Merci parce que vous avez suivi cette vidéo. Partagez-la avec un monde que vous pensez que est capable d'utiliser. C'était Zamio Frère, adorateur Bertin d'Orville-Mort. Merci beaucoup.